Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir la différence qu'il y a entre les arts et les acomptes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les arts et les acomptes, ce sont deux moyens de paiement anticipés. Alors, commençons par les arts. Enfin, pas les arts. Allez, hop. Alors, les arts, à quoi ça correspond? C'est tout simplement le paiement partiel quand on réserve un bien ou un service. Alors, qui dit paiement partiel va donc entraîner le non-remboursement des arts si l'acheteur annule, la réservation. Et si c'est annulé par le vendeur, il devra rembourser le double des arts qui ont été versés par l'acheteur. Alors, c'est souvent ce qu'on trouve dans le cas des ventes immobilières. Alors, maintenant, passons aux acomptes. Alors, les acomptes, eux, ce sont simplement des premiers versements liés à un paiement ultérieur. Donc, souvent, c'est lié à ce qu'on appelle un engagement, un bon de commande, un contrat. Et là, dans ce cas-là, on ne va pas pouvoir se dédire, c'est-à-dire annuler, sous peine de devoir verser des dommages et intérêts. Alors, on trouve ça souvent dans les transactions commerciales classiques. Alors, petite chose à savoir, c'est que le montant des arts et des acomptes, il n'y a pas de règle légale, c'est-à-dire pas de montant fixe, de pourcentage fixe. Mais faites attention, si le montant qui vous est demandé est supérieur à 30% du montant des travaux ou du bien réservé, ne signez pas parce que là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui pose problème. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur la différence entre les arts et les acomptes. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ma chaîne et à la partager. Merci, au revoir.